Nous avons eu un rendez-vous avec beaucoup de questions économiques, humanitaires et politiques. Et tout ce qui est important, c'est l'opinion de mon partenaire est connectée avec le futur de l'Afrique et de la Russie. Et le futur de la Russie et Afrique, et Guinée aussi, c'est la coopération en différents domaines. Mais le principal, c'est la coopération en domaine de éducation, préparation et changement des technologies. Ça signifie que la proposition des pays d'Afrique à Russie a commencé à travailler pour créer une économie avec la possibilité d'être libre. Le séjour des pays africains, c'est aussi le modèle quand les pays africains sont vrais partenaires des différents pays. Donc c'est le pays multilatéral. Et c'est très important. Nous avons franchi un grand pas. Et le fait d'aller à la matérialisation par la négociation et la signature d'un accord cadre de coopération entre nos deux parlements, mais l'engagement aussi de la Douma à impliquer le gouvernement de la Fédération de Russie dans cette discussion pour que les ministères, les domaines et les régions les plus pertinents soient impliqués dans la redéfinition d'un nouveau cadre de partenariat économique et humanitaire avec l'Afrique, notamment la Guinée. Et nous avons décidé de joindre la parole à l'acte ou de l'acte à la parole. Et nous allons désigner en Guinée des interlocuteurs du CNT qui vont préparer une mission de haut niveau de la Russie qui visitera la Guinée. Et cette mission permettra de matérialiser concrètement les points de discussion aujourd'hui. Et là où je me félicite, toutes les idées qui ont été posées sur la table ont été acceptées par la partie russe, sans exception. Alors il s'agit maintenant de travailler ensemble pour mettre ça en place et de paraffer un accord de coopération entre le Parlement guinéen et la Douma d'État. Qui impliquera ou qui prendra en compte les différents domaines de coopération dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la technologie, le transfert de technologie, dans le domaine des mines et surtout dans le domaine de l'agriculture.